Bonjour à tous, bienvenue à cette session autour de la sécurité dans Teams. On va faire un deep dive dessus et on va vous montrer un peu la solution Varonis. Alors on va commencer par remercier les sponsors. C'est sûr que sans eux, on aurait du mal à pouvoir faire ce genre d'événement. Ce qui tombe bien, c'est que les deux speakers aujourd'hui sont les sponsors principaux de l'événement. Donc on en profite un peu. Alors, je vais me présenter. Je suis Mickaël Lopez, je suis avant-vente technique chez Varonis. Je m'occupe des comptes stratégiques chez Varonis depuis un peu plus d'un an. Et donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Twitter ou sur mon blog. Et je serai accompagné de Christopher. Donc, bonjour à tous, c'est Christopher Glémaud, donc team leader protection et gouvernance des données chez Monaco Digital. Donc, je prends en charge tous les sujets autour de la sauvegarde, disaster recovery, tout ce qui va autour de la data, notamment la gouvernance et la sécurité, et entre autres les solutions comme Varonis. Et donc, vous pouvez également me retrouver sur Twitter et au travers de mon blog qui s'affiche à l'écran. Alors, rapidement, un petit agenda de ce qu'on va se dire. On va reparler un peu, on va reparser la partie Teams, comment, entre guillemets, ça fonctionne. Et puis, ce qui se passe derrière, et enfin, comment Varonis peut aider à maîtriser ça. On parlera de chaos un moment, c'est assez rigolo. Donc, sur la partie adoption d'Office 365, j'ai mis des chiffres d'avril, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le graphe. C'est tout simplement impressionnant comment Teams a été vraiment le cheval de bataille de Microsoft et qui a sauvé beaucoup d'organisations pendant ce temps Covid, on va dire. Et l'intégration Office 365 est très forte. Je pense qu'il n'y a pas une session aujourd'hui qui ne parlait pas de Teams. Donc, on ne peut que comprendre son intégration très, très forte dans l'écosystème. Mais on va voir aussi qu'il a une petite face cachée. Tout simplement, en fait, OK, Teams délègue tout aux utilisateurs. Ils peuvent faire leur Teams, ils peuvent se donner des accès, ils peuvent partager des ressources, intégrer des solutions. Et en fait, on cache, entre guillemets, toute sa complexité. Et c'est tout le but de Microsoft, et tant mieux, c'est un outil vraiment dédié aux utilisateurs. Mais en fait, derrière, on a du mal à vraiment répondre à la question, qui a accès à quoi? Est-ce qu'on parle de données sensibles? Qu'est-ce qu'on parle comme données sensibles? Est-ce qu'elles sont exposées ou pas? Et enfin, en termes de traçabilité, on va avoir aussi quelques petits soucis. Alors, dans un monde hybride, en fait, on a beaucoup de questions qu'on se pose. C'est un peu le métier de Varonis depuis des années. C'est comment on peut trouver la donnée sensible. Est-ce que cette donnée elle est accessible par beaucoup de personnes, voire exposée directement sur Internet? Comment réduire le risque? Quels sont les champs d'action vraiment en priorité? Enfin, sur la partie alerting, comment comprendre ce que fait aujourd'hui, ce que font mes utilisateurs à distance? Comment détecter des scénarios de ransomware qu'on commence à voir sur la partie SharePoint Online, OneDrive et du coup Teams? Comment investiguer rapidement ces incidents? Et enfin, sur la dernière partie, c'est vraiment la compliance, la classification de la donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes qui sont sensibles à la GDPR, qui sont parties dans Office 365 très rapidement, peuvent répondre aux obligations légales qu'on leur demande, également pour la partie PCI-DSS, bien sûr. Donc du coup, quand on arrive sur ces trois scénarios vraiment qui sont le cœur de métier de Varonis, mais aussi les questions que normalement toutes les entreprises se posent. Il n'y a pas une entreprise en ce moment qui ne se pose pas des questions sur la partie ransomware. On va voir un peu plus tard justement comment on avance là-dessus. Mais on revient sur la partie Teams pure. Donc si on se rappelle bien, aujourd'hui la suite Office 365, ça tourne principalement autour d'Exchange Online, OneDrive et SharePoint Online quand on va parler de collaboration. Azure Active Directory vient bien sûr être le référent identité. Et il m'arrive encore plein de fois de me retrouver avec une personne qui me parle de Teams comme produit à part entière de Microsoft. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Teams, en fait, va juste chercher de l'information. Il va utiliser, en fait, déjà ce qui est disponible dans la suite Office 365 pour fonctionner. Donc, du coup, on parle, pour moi, d'un outil qui utilise des choses, mais ce n'est pas
un produit complètement indépendant de la suite Office 365. Ce n'est pas un nouveau produit indépendant. C'est vraiment, pour moi, le rassemblement de toute la suite Office 365, de toute l'intelligence et ce que nous permet la collaboration dans ce produit. Alors là, je vous ai pris un exemple terrain. C'est vraiment des scénarios en fait, qu'on a vus dans des entreprises. Et en fait, on fait exprès de les jouer pour vous montrer réellement jusqu'où on peut aller. Donc, on va prendre vraiment un cas très, très simple. On va prendre une équipe finance constituée de 4 personnes avec un manager. Et puis, on va avoir aussi une personne d'un autre service, d'un service RH. Et puis, enfin, une personne extérieure à l'entreprise pour la partie légale. Donc là, on va vraiment jouer le scénario jusqu'au bout. Teams vient d'être déployé dans l'entreprise. On ne parle pas de configuration avancée, on parle juste d'une utilisatrice qui va créer un Teams. Donc voilà, elle ouvre son Teams, elle va faire Create, elle va ajouter des personnes. On voit bien ici qu'il y a un guest qui a été ajouté. Donc on peut très bien discuter avec une personne à l'extérieur, il n'y a pas de souci, cette personne elle est intégrée dans Teams. On peut chatter, on peut se partager des fichiers, tout va bien. Après, on va créer un fichier. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un fichier Excel. On a fait exprès, on a mis de la donnée sensible. On peut très bien imaginer des IBAN des employés. On parle de bonus. On peut, par exemple, imaginer un fichier avec les montants des bonus et puis les IBAN des différents utilisateurs et employés. Donc, en faisant ça, déjà, on se rend bien compte que, du coup, on a créé un channel, on a mis un fichier dedans. Et puis, du coup, les personnes peuvent le lire, le modifier, exactement travailler dessus, puisque c'est le but quand même. Il faut qu'ils délivrent assez vite quand même ce qu'on leur demande. Côté, après, partage, on peut aller du coup sur la partie Office. On ouvre ce document, que ce soit dans Office Online ou sur la partie client lourd. Et puis, on va tout simplement le partager. Et puis, on se dit que là, on est sur des utilisateurs qui forcément ne connaissent pas la richesse du produit Teams. Ils vont tout simplement aller dans ce fichier et dire « partager ». Et donc, on va partager le document avec une personne d'un autre service en utilisant les fonctionnalités de partage de fichiers Microsoft. Et puis, la personne n'a pas accès au Teams, mais elle a accès qu'au fichier via un lien. Ensuite, imaginons, l'employé doit faire valider par le légal cette partie justement bonus. Et puis, donc, va chatter avec la personne. Donc, on est vraiment sur un petit one-one. Salut Margaret, est-ce que tu peux me valider ce document? Et là, à partir de là, l'échange est fait, la personne peut voir le fichier, peut le modifier, peut le repousser si elle veut. C'est vraiment une discussion et un partage de documents. Et là, on va voir un peu la face cachée, un peu comment ça tourne au chaos. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a en fait Amélia, donc, qui est vraiment la personne qui a créé le team, c'est qui s'est dit, la personne avec qui je travaille le plus, je vais l'ajouter comme owner. Donc déjà, on a le même niveau de droit entre ces deux personnes. Et puis, du coup, Zoé, elle peut inviter aussi qui elle veut dans le Teams. Ensuite, on est en train de parler de personnes qui peuvent accéder à de la donnée, mais qui forcément n'ont pas forcément le droit. Donc, on a la partie RH qui, d'un seul coup, a un accès à un fichier en direct, mais pas du tout à tout le Teams en entier. Et enfin, il y a quand même Margaret où on a pu partager un document sans trop se poser de questions via OneDrive. Fait intéressant, que je vois encore une fois, beaucoup de fois dans les entreprises, surtout d'une taille conséquente, on a l'outil Delve. Alors l'outil Delve, il est super pour trouver des documents, je m'en sers plein de fois. Mais il y a aussi un petit souci, c'est que si vous arrivez dans une entreprise qui n'a pas géré cette partie-là, donc qui a partagé énormément de liens de personnes, qui ont utilisé des liens de partage où tout est accessible à toute l'entreprise ou des choses comme ça. Donc vraiment des définitions par défaut de OneDrive, de SharePoint Online, etc. On se retrouve en fait avec un superbe indexeur et on peut aller s'amuser à trouver des documents un peu partout. Ensuite, sur la partie Private Teams, c'est un peu compliqué. On va un peu rentrer dans le débat, mais on peut bien sûr faire des channels privés, mais si on partage le document, ça ne résout pas le problème du channel qui est privé. C'est juste, on a un accès en direct. Donc là, cette Emma qui n'est pas membre de l'équipe finance, elle a un accès direct au fichier via un lien. Et en fait, elle n'a aucune idée que derrière, ça soit un Teams, un SharePoint Online, un OneDrive. Peu importe, pour elle, c'est juste un lien. Et quand elle clique, elle affiche un fichier Excel.
J'aime bien poser cette petite question. Souvent, on ne sait pas trop me répondre. Bon, là, j'ai plein d'experts autour de moi, donc ce n'est pas drôle, mais c'est un peu la question de où va un document où on fait un chat en one-one. Il ne va pas dans le Teams. Pourtant, je suis dans mon outil Teams. Je ne le trouve pas dans d'autres channels. Je n'ai pas un channel personnel où je vais avoir un fichier. Donc, où va ce fichier-là quand je discute avec une autre personne en direct, qu'elle soit en interne ou à l'externe dans l'entreprise ? Enfin, la question qu'on a toujours, c'est on n'a plus le contrôle en tant qu'IT. Comme on a délégué beaucoup aux personnes, les utilisateurs gèrent un peu maintenant les Teams, ils vont gérer leur channel, ils vont gérer qui ils peuvent inviter. Il y a plein de solutions côté Microsoft. Moi, malheureusement, je les vois rarement en œuvre. Et ensuite, on n'a pas de sensibilité au niveau du Teams. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. On n'a pas d'idée que, par exemple, dans le Teams RH, on a des données RH. On n'a pas quelque chose qui nous dit, attention, ce Teams-là, il contient de la donnée GDPR. Quand tu vas inviter quelqu'un, fais attention. Fais attention parce que potentiellement, tu as des centaines d'enregistrements qui matchent des règles GDPR. Tu as potentiellement dans ce Teams Finance 200, 300 comptes bancaires. Donc, fais attention à qui tu veux inviter. Et enfin, on n'a pas, au niveau du Teams, une vision claire de dire « Attention, il y a des choses partagées dans ce Teams. Fais attention. Ne, à l'extérieur, en tant que manager ou owner de Teams, tu devrais regarder un peu qui a accès. » Alors, qu'est-ce qui se passe en fait réellement quand on crée un Teams ? En fait, Teams va s'appuyer sur l'Office 365 Group, qui va créer une partie dans Azure AD, qui va créer une partie dans un SharePoint Online, qui va créer encore une boîte mail cachée sur la partie Exchange Online. On voit qu'il y en a encore une fois un peu partout. C'est le but. Et sur la partie Teams pure, les channels, en fait, c'est tout simplement des dossiers dans SharePoint Online. Rien de plus, rien de moins. Les private channels, c'est pareil. Et sur les one-one, en fait, c'est vous allez les retrouver dans les attachments sur votre OneDrive personnel. Donc, on voit qu'il y a toujours ce lien fort de Teams avec les outils existants de la suite Office 365. Donc, j'insiste, ce n'est pas un outil à part entière. C'est vraiment le rassemblement de tous les produits et toute la richesse d'Office 365. Alors, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce que ça va tout ça ? Qu'est-ce qu'on voit en tant qu'IT si aujourd'hui, je prends l'exemple que j'ai réalisé, où on se rappelle de l'équipe, cette équipe finance, cette personne de RH et cette personne externe. Si on se pose vraiment la question et qu'on se dit, mais moi en tant qu'IT, si je veux investiguer qui a accès à quoi, qu'est-ce que je dois faire ? Alors la première réponse, c'est d'aller côté Azure Active Directory, on se dit que je suis un pur admin Office 365, donc je vais aller récupérer dans Office 365 Groups, et puis je vais prendre le groupe Office 365 qui correspond à mon Teams. Et là, je vois qu'il n'y a aucune notion d'Emma, donc cette personne à qui on a donné un accès via un fichier Excel, donc à son fichier Excel. Là, je me dis, bon, bah, c'est pas très grave, donc je vais demander aux deux owners, est-ce qu'ils ont une vision de leur côté sur le client Teams ? Dis-moi, qui peut avoir accès ? Donc là, on voit que c'est pareil, on ne parle pas de lien de partage, on n'a pas de visibilité. Donc déjà, ça commence. Où est Emma ? Elle n'est pas visible dans Teams, elle n'est pas visible dans Azure AD. Bon, donc là, on bascule sur un autre niveau, on se dit, est-ce qu'on pourrait quand même y accéder via les admins existants, la partie SharePoint Online ? Donc, bien sûr, on pourrait très bien se lancer sur la partie Exchange Online. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, tout simplement, on va aller dans la partie admin. On va ouvrir, on va trouver ce channel, ce dossier dans SharePoint Online. On va cliquer dessus. On va cliquer sur le fichier qui est partagé. Du coup, on sait qu'il est partagé à l'extérieur, nous. Mais on pourrait imaginer cette tâche pour des millions de fichiers qu'on aurait mis dans Teams, cliquer sur chaque fichier, aller regarder si est-ce que quelqu'un a accès, et là, oh magie, on a le lien pour Emma. Donc, on récapitule. En gros, il n'y a que deux personnes qui savent, qui ont accès aux fichiers. C'est Emma, parce qu'elle y a accès, elle a reçu un lien par mail, et Chris qui a partagé ce document Excel. Sinon, côté de l'équipe, côté aussi IT, personne n'a idée que Emma a accès à ce fichier. Donc, on peut déjà imaginer que s'il n'y a pas eu de concertation, on pourrait très bien mettre plein de données dans ce fichier Excel
qui ne concerne pas forcément Emma, et on se retrouve avec un document qui peut faire transiter de l'information. J'ai fait exprès de mettre une petite coquille dans ma démo. Il y a un Chris. Il y a cette personne-là, quand on était sur la partie SharePoint Online Admin, qui était visible. En fait, encore une fois, c'est des scénarios qu'on a vus en entreprise. On n'invente pas, on n'a pas fait exprès de grossir quelque chose, c'est des choses qu'on a réellement vues. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que la personne est owner de son Teams, elle est donc admin de la partie du site SharePoint Online qui va avec, et bah, la personne avait suivi un tutoriel sur Internet comment partager un site SharePoint rapidement pour que les personnes aient accès du coup, à tout ce qu'il fallait. Donc, on utilise vraiment du pur SharePoint Online. La personne lui a donné un accès sur un SharePoint Online et cette personne-là, donc bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, avait un lien et pouvait accéder. Vraiment, pour lui, c'était un SharePoint Online. Il n'y avait vraiment aucune notion de Teams pour lui. C'était un accès direct pour récupérer les fichiers. Se pose la question vraiment du partage. Donc là, on se retrouve avec des notions de site, de partage au niveau du site. On peut avoir un partage au niveau du dossier. On peut partager au niveau du fichier. Donc ça commence à faire beaucoup d'endroits où on peut partager. Et il y a des réponses à ça, bien sûr. On peut bloquer, on peut autoriser tout, on peut bloquer, voilà, on peut mettre plein de directives. Mais attention à la partie collaboration derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, beaucoup d'entreprises s'arrêtent à cette configuration ici, que vous voyez, côté niveau tenante. Et donc, j'ai plein de gens qui me mettent, bah, moi, je bloque tout, donc je mets tout ce qui est le plus... tout est interdit, je ne peux que partager en interne. Oui, mais du coup, ça bloque beaucoup de choses. Et encore une fois, expérience très, très réelle. Il y avait des utilisateurs qui utilisaient avec leur OneDrive des liens accessibles sur Internet, des AnyOne, et qui avaient géré beaucoup de QR codes avec. Ils avaient fait toute une campagne marketing avec. Et donc, quand les gens passaient dans la rue et passaient leur QR code, en fait, ils téléchargeaient un PDF depuis le OneDrive du directeur marketing. Et donc, quand ils ont vu ça, bah, ils ont en fait bloqué, puisqu'il y avait plein de choses qui étaient partagées à l'extérieur. Et il y a une campagne marketing de plusieurs milliers d'euros qui s'est retrouvée complètement bloquée. Donc, on avait un choix au niveau du RSSI. Est-ce qu'on réimprime l'intégralité des QR codes et donc on fait une campagne marketing à zéro? Ou est-ce qu'au contraire, bah, on laisse le niveau de sécurité en open bar et on forme les utilisateurs? Donc, c'est un cas vraiment horrible de « on s'est lancé trop vite ». Et de toute façon, tant mieux, puisqu'on devait aller vite, les collaborateurs devaient travailler ensemble. Mais et ben voilà, quand on a voulu rattraper, il y avait des choix à faire. Et malheureusement, pour cette entreprise, il y avait des fonds qui étaient investis et qui n'utilisaient pas la bonne solution derrière. Donc, on parle aussi de Shadow IT, bien sûr. Hein, partage vers l'extérieur, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'était cette notion-là de pouvoir dire, bon, bah voilà, j'autorise, j'autorise pas, je fais des external users, j'ai des process pour intégrer mes external users, est-ce que ça doit passer par un IT ou est-ce qu'un utilisateur peut inviter n'importe qui, est-ce qu'on bloque certains domaines, etc., etc. Mais on se retrouve vraiment dans cette discussion où quand c'est déjà lancé, pour rattraper, ça peut être compliqué. Sur la partie vraiment à l'ancienne, si je puis dire, on a tous abandonné ça. À l'époque, c'était vraiment le dossier était créé par l'équipe IT. L'équipe IT s'amusait à faire des groupes de sécurité, que ce soit dans l'Active Directory ou autre. Après, ils mettaient les personnes dedans selon une liste. Potentiellement, ils l'intégraient dans un outil IAM ou autre. Après, l'équipe IT appliquait les ACL. Et enfin, on avait un peu une idée de se dire, eh ben voilà, au niveau de l'utilisateur, il n'avait aucun contrôle. Tout était fait par les équipes IT et au final, on arrivait à peu près maîtriser ce qu'on faisait en termes de droit. Là, quand on rajoute en fait Office 365 dans la boucle et qu'on se dit on va comparer vraiment une chose par une autre, bah, du coup, qui s'occupe du partage? Maintenant, c'est les utilisateurs finaux. Nous, en tant qu'IT, c'est pas à nous, on ne va pas avoir des tickets pour dire merci de partager ce document. C'est fini, c'est les utilisateurs qui vont le faire. Et qu'est-ce qu'ils peuvent partager? Bah, du coup, d'un fichier jusqu'au site. Comment on va pouvoir partager à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, peu importe, bah, des personnes à l'intérieur de mon entreprise, donc spécifiques, je vais les spécifier, je vais faire une petite recherche, je vais dire, bah, voilà, je vais partager avec telle personne, 4, 5 personnes. On peut partager avec toute l'organisation, on peut partager avec certaines personnes extérieures.
Ou alors, on peut carrément faire un lien public sur Internet, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et donc, dès que quelqu'un récupère ce lien, il peut y avoir accès, avec bien sûr cette possibilité de dire que ce lien n'est plus fonctionnel après 5 jours, 10 jours, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent partager et d'où ils peuvent le faire? Et ça, c'est assez intéressant, puisque ils peuvent le faire depuis SharePoint Online et OneDrive. Ils peuvent le faire depuis Teams, ils peuvent le faire depuis chaque application Office quand ils ouvrent le fichier avec l'option Share. Et enfin, s'ils ont synchronisé leur petit client OneDrive ou carrément des sites SharePoint, ils vont pouvoir le faire aussi depuis un peu leur poste de travail. Ils vont faire clic droit sur le dossier, vous avez la petite icône OneDrive avec le Share, et hop, on peut partager. Ou ça commence à nous poser les bonnes questions par rapport au petit exemple. Du coup, qui a accès à la donnée Teams? Et du coup, la réponse, c'est ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez aux deux owners du Teams, ils vous diront la liste des personnes qu'ils ont invitées. Si vous posez la question à la personne qui a invité Emma, lui, il va savoir. Il va dire non, moi, j'ai partagé mon document avec Emma et Emma ne fait pas partie du Teams. Si vous posez la question, est-ce qu'il y a tous les pourquoi ou comment ça se fait que dans mon Azure AD, mon Teams, mais pas dans mon SPO, est-ce que je vois des gens ou pas? Les Teams members ne sont visibles que dans Azure AD et Teams. Dans SPO, on va voir un groupe, ça va être le Office 365 groupe, et on ne pourra pas faire un petit plus pour voir qui est membre de ce groupe. Les owners, en fait, ils peuvent faire encore une fois ce qu'ils veulent. Ils sont owners de leur Teams, tant mieux, ça leur permet de faire beaucoup de choses de façon autonome. Et c'est une bonne chose, hein, j'insiste dessus, la collaboration, c'est important. Mais du coup, ils peuvent inclure aussi des externes si c'est autorisé dans l'entreprise. Et on n'aura pas de contrôle dessus. Et enfin, quand on va parler de liens de partage, alors là, clairement, on n'a pas de visibilité dans Teams ou dans Azure AD par défaut. On va avoir de la visibilité qu'au niveau de SharePoint Online. Et si bien sûr on parle d'accès site, donc partage de site, on est vraiment, on va voir uniquement la partie, on le voit que sur SharePoint Online. On n'a aucune visibilité sur la partie Teams. Là, on est vraiment en train d'utiliser toute la fonctionnalité de SharePoint Online et pas de Teams. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, si on part là-dessus sur le risque vraiment d'Office 365 par rapport à l'on-prem, mais aussi en on-prem, aujourd'hui, les questions se posent. Qui a accès à la ressource? C'était les questions que tout le monde se posait. Qui peut accéder à ce dossier? C'était le cœur de métier de Varonis depuis des années, mais tout le monde se posait cette question-là. C'est qui peut accéder à tel dossier? Le dossier RH, le dossier finance? C'était un peu les questions qu'on avait tout le temps. Où est ma donnée sensible et où est la concentration de ma donnée sensible? J'aime bien passer un peu de temps dessus pour bien expliquer la différence. Ce n'est pas parce que vous avez un numéro de carte bancaire dans un fichier Excel, dans le dossier finance, qu'on parle de risque. Le risque, c'est qu'on commence à avoir des fichiers qui agglomèrent énormément de données. Des exemples simples, dans le dossier finance, je trouve souvent des extracts de bulletins de paie. C'est normal, pour des raisons légales, on doit les extraire. Et ce qui va se passer, c'est que normalement, les extraits, on fait un peu de vérification, juste avant envoi ou autre, et puis on les supprime. Je suis persuadé que toutes les entreprises en ont encore plein, qu'on ne va pas supprimer. Dedans, vous avez énormément de choses. Vous avez des données personnelles des utilisateurs, vous avez leur bulletin de salaire quand même, vous avez donc leur salaire, vous avez leur charge, vous pouvez avoir maintenant le taux d'imposition au niveau impôt. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on va trouver et vraiment, il faut bien comprendre la notion de concentration de données sensibles. C'est des choses vraiment où on va se mettre un peu en priorité. Quelqu'un qui va dire je veux supprimer toute la donnée PCI-DSS de mon entreprise, s'il a plein de dossiers éparpillés, plein de fichiers qui contiennent une occurrence, c'est pas très grave, il faut se focus sur les documents d'extract qui contiennent des dizaines et des dizaines d'enregistrements qui, là, sont une priorité, ne serait-ce qu'en cas d'exfiltration de données ou d'attaque. Et du coup, c'est cette question de prioriser le risque. On verra tout à l'heure quelques dashboards Varonis, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes rouge, parce qu'on a trouvé de la donnée PCI-DSS, ça se trouve, en faisant 4 actions, vous allez réduire 50% votre surface d'attaque. Parce que tout simplement, vous allez supprimer
ces fichiers d'extract qui sont avec énormément de données. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est où est la donnée sensible et elle est concentrée où. Si en plus on est soumis à des réglementations, comment on arrive jusqu'au moindre privilège? Qui a accès à quoi? Quel est le minimum? Comment on peut réduire cette surface d'attaque rapidement et simplement? Et enfin, le dernier modèle qui correspond vraiment au tournant de Varonis depuis ces dernières années, c'est réellement comment on va pouvoir détecter des comportements anormaux autour de la donnée sensible. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment un axe important. C'est moi, Michael, aujourd'hui, dans l'informatique Varonis, je touche à très peu de données sensibles et surtout pas de la donnée sensible de Varonis, type voilà, les comptes bancaires de mes collègues ou autres. Si jamais demain, je me mets à me fouiller dans le dossier RH, déjà, il faudrait que j'y ai accès. Et ensuite, ce n'est pas mon comportement standard. Donc, c'est vraiment détecter la compromission d'un compte et qu'est-ce qu'il va faire. Je te laisse présenter la suite. Allez. C'est parti. Alors, juste pour compléter sur la partie données de l'entreprise, les données d'entreprise, on appelle ça dans notre domaine le patrimoine informationnel de l'entreprise, qui est composé de deux types de données, on va dire les données structurées et les données non structurées. Les données structurées, c'est celles qui sont mises en base, c'est celles souvent qui sont bien auditées, bien tracées. C'est là, en général, ne pose pas de problème, pas de problème aux entreprises. Là où on met souvent le focus, où il y a un travail à faire, c'est sur les données non structurées, c'est celles qui sont éparpillées un peu partout sur les serveurs de fichiers, mais aussi dans des outils comme SharePoint, OneDrive, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'assurer une traçabilité, une gouvernance de ces données, mais principalement la sécurité. Donc, une solution comme Varonis, j'aime bien parler de solution de sécurité parce qu'elle vient au cœur de la sécurité de votre système d'information. D'accord ? Elle est vraiment au centre. Si vous avez des solutions de type IAM, CIEM, les DLP, eh bien, c'est elle qui aura un peu le rôle de cerveau pour s'interconnecter avec toutes ces solutions-là. Un de ses rôles principaux, c'est la surveillance active des directories. Donc, elle est très liée à l'environnement AD. Et ce qui est très important en cybersécurité, parce que vous savez que lors des attaques, et notamment des attaques ciblées, le focus principal d'un attaquant, c'est de s'octroyer les droits, donc de faire une montée de privilèges. Donc première chose avec Varonis, en étant proche de l'AD, eh bien, vous allez pouvoir voir tous ces écarts de comportement. Si en pleine nuit, par exemple, il y a une montée de privilèges sur un compte AD, eh bien, vous allez être alerté. Pour ce type de comportement. Ensuite, donc, le cœur historique, c'est la traçabilité, qui a fait quoi, où et quand sur la data, donc vraiment sur les données non structurées. Ajouter à ça la gestion des droits, des permissions. Donc aujourd'hui, Varonis est un des seuls outils où vous allez pouvoir faire de la remédiation des droits et des permissions directement depuis la console Varonis. Donc Varonis va vous donner des conseils en disant, bah, par exemple, tel groupe de sécurité sur cette partie, sur ce groupe SharePoint, sur ce partage SharePoint n'a jamais accédé à ce répertoire. Pourtant, il a les droits. Est-ce que c'est utile de leur laisser? Donc, ça, après, ça vous prend la décision. Donc, il va vous conseiller sur ce type de choses. Bien sûr, vous allez. Ce qui est intéressant dans ce type de console, et notamment en sécurité, c'est que toutes les actions admin sont tracées. Et si vous supprimez un groupe de sécurité par erreur, que ça impacte un plus grand nombre d'utilisateurs que espéré, eh bien, vous pouvez faire des rollbacks, des retours en arrière. Donc, tous ces événements-là sont tracés dans la console. Donc, c'est très puissant, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le moteur de classification qui est très puissant avec Varonis. Hein. Aujourd'hui, dans les dernières versions, ils utilisent la technologie Zookeeper. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est du monde de la big data. Donc, le moteur Varonis va rentrer en communication avec tous les fichiers, tous les dossiers sur les partages, va aller lire à l'intérieur et aller en fonction des patterns. Hein, les patterns, ce sont des expressions régulières, ce sont des mots-clés qu'on va aller chercher, remonter toutes les données, notamment qui sont dites sensibles ou qu'on souhaite remonter. Donc, par exemple, si vous êtes dans une démarche GDPR, vous allez pouvoir remonter toutes les données GDPR
de votre environnement, dans des rapports, etc. Donc, il y a les données sensibles, mais il y a les données qui sont sensibles pour votre entreprise, donc les brevets, et ça, on parle de golden data. Donc, c'est important, il y a les données sensibles qui sont les cartes de crédit, le numéro de sécurité sociale, il faut savoir que les numéros de sécurité sociale sur le dark web, ça vaut très cher. Mais il n'y a pas que ça, il y a les données de l'entreprise qui sont vitales, et on parle de golden data, il faut aussi les protéger. Donc ça, c'est vraiment pour la partie compliance, classification. Et ensuite, comme le disait Mickaël, il y a la partie alerte en temps réel. La partie alerte en temps réel, c'est pour être alerté sur toutes les dérivations de comportement. Le moteur Varonis, encore une fois, il est très performant. Il va associer un profilage à chaque utilisateur. Il va apprendre de chaque utilisateur au sein de votre entreprise. Et il va associer un comportement cible. Si un jour, un utilisateur... je prends un exemple, s'il fait un copier-coller de tout le répertoire direction, eh bien, ça va générer énormément d'événements au sein de la console. Et là, il va voir qu'il y a un comportement qui est différent d'habitude. Et là, vous allez être alerté. Donc, vraiment, c'est du profilage. Avec Varonis, vous allez pouvoir faire tout ce genre de choses. L'objectif étant d'augmenter votre niveau de sécurité, réduire la surface d'attaque et apporter de l'hygiène sur la donnée. C'est vraiment le terme à retenir. Donc, vous pouvez vous interfacer avec, bien sûr, tous les éditeurs du marché, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Microsoft et Office 365. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Non, non, ben non, c'est très bien. Donc, ça résume un peu ce que je viens de dire. On va voir la partie visibilité, vraiment ce côté supervision, contrôle des accès, traçabilité, la partie classification, donc en fonction de dans quelle conformité vous allez être, vous allez pouvoir remonter, faire des recherches sur, si vous êtes sur une conformité GDPR, vous allez pouvoir essayer de remonter tous les dossiers, les fichiers qui contiennent des données à caractère personnel, mais pas que. Si vous êtes dans un laboratoire spécifique, vous allez pouvoir créer vos propres patterns, donc des expressions régulières qui correspondent à votre cœur de métier, et aller faire des recherches sur ces patterns-là. Donc, les activités autour des utilisateurs, les droits, les permissions, l'alerting en temps réel, on en a parlé, et la rémédiation. Donc, c'est qu'effectivement, Varonis ne fait pas que vous alerter ou vous donner des recommandations. Il va vous permettre de gérer toute cette remédiation des droits, les permissions, mais aussi les broken ACL, tout ce genre de choses qu'on a au quotidien sur notre environnement. Donc, par exemple, ça, c'est une des vues des dashboards qu'on a depuis la console Varonis. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup de statistiques, le nombre de fichiers, vraiment les données sensibles. Ça, il les remonte parce que la classification, il va voir quelles données contient des données à caractère personnel, des données PCI, etc. Là, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'en fait, on a une KPI qui est jaune, qui va me dire, tu as autant de fichiers, tu as 4379 fichiers. Donc là, c'est un environnement de démo, donc ça correspondait à 42% de tous les fichiers qu'on avait poussés dessus. Donc ça, c'est en orange, parce qu'on considère que peut-être c'est normal que vous partagez des fichiers sur l'extérieur. Par contre, on met tout de suite en rouge que 160 fichiers, ils contiennent de la donnée sensible et ils sont partagés à l'extérieur. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à remédier le risque. On part du principe, voilà, tous les fichiers que vous avez ou tous les dossiers que vous avez dans Office 365, donc là spécifiquement dans SharePoint Online et Teams, hop, après on le décale, on dit, est-ce que ces données, elles sont partagées à l'extérieur ou est-ce qu'elles contiennent de la donnée sensible? Et selon la réponse à ce petit tableau, on a le troisième KPI, les deux KPI en rouge qui sont une priorité, donc là on priorise, on dit, attention, là, ces données qui sont partagées à l'extérieur, elles contiennent de la donnée sensible. Encore une fois, peut-être que c'est normal, mais on vous alerte dessus. Vous allez être tracé sur qui accède à quoi, comment ils y accèdent, mais au moins on attire votre focus dessus en disant attention, est-ce que ces 160 fichiers, c'est légitime ou pas. Donc là, on voit qu'il y a effectivement 21 dossiers qui sont partagés avec des utilisateurs extérieurs, ce qui représente un peu moins d'un giga de données. Voilà, c'est tout simplement la même chose sur OneDrive.
Donc en fait, on a aussi cette vue sur OneDrive qui permet en plus de nous donner voilà, une précision. Est-ce que c'est un comportement d'un utilisateur final ou est-ce que c'est plutôt le site ou est-ce que c'est plutôt le Teams? Et pareil avec cette notion, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais de stale data. Donc en plus, on peut vous alerter sur attention, vous stockez de la donnée morte. C'est potentiellement un comportement normal, mais attention, parce que la donnée GDPR et PCI-DSS a une durée de fin de vie. Donc si jamais demain vous stockez de la donnée GDPR qui a plus de 7 ans, vous êtes sensible à une amende. Donc de la donnée morte, c'est-à-dire de la donnée qui n'est plus utilisée par les utilisateurs, que les utilisateurs n'accèdent plus tout simplement. Donc ça peut vous donner aussi, pour votre partie infrastructure et stockage, des recommandations disant si ces données ne sont plus consultées, est-ce que je ne peux pas les archiver quelque part sur du stockage plus lent. Donc ça donne beaucoup d'indicateurs. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle l'ancienne console qui est historique à Varonis, mais qui est toujours là parce que c'est celle qui permet de faire la remédiation. Varonis, ce n'est pas nouveau, ils sont sur le marché depuis des années et des années, et c'était le leader sur la partie traçabilité. Et donc ici, on est sur la vue qui s'appelle la Work Area, et c'est une vue bidirectionnelle qui vous permet de remonter tous les partages sur lesquels vous allez mapper au sein de la console. Varonis, donc les SharePoint, mais aussi les serveurs de fichiers ou les partages CFS si vous avez des contrôleurs NetApp par exemple. Voilà, donc la vue bidirectionnelle permet, pourquoi on dit bidirectionnelle, parce que vous avez à gauche les partages et à droite les accès des utilisateurs. Et quand en fonction de ce que je veux faire, par exemple si je clique sur un répertoire, je vais avoir à droite la correspondance au niveau des groupes de sécurité qui ont les droits. Et si je fais dans le sens contraire, c'est-à-dire que je vais faire une recherche sur un groupe utilisateur, le groupe Conta par exemple, il va m'afficher à gauche tous les répertoires sur lesquels le groupe Conta a les droits. Il m'afficher les ACL. Donc, petit scénario intéressant en fait. Là, en plus de ça, dans cette console-là, donc là on a la vue du fichier, le fameux, donc on reprend notre exemple de tout à l'heure, et on a le résultat de la classification. Avec, on va voir la partie en fait chiffre HIT que nous on va appeler HIT en interne et qui est en fait cette petite indication pour la différence entre, comme je vous disais tout à l'heure, un document qui contient une donnée sensible. Là, rien que ce document contient 13 données qui sont considérées comme du personal information. Et donc, en fait, si on ouvrait le fichier, on trouverait des choses intéressantes. Mais c'est ça où ça devient intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le fichier, vous n'êtes pas obligé d'aller l'ouvrir depuis les serveurs de fichiers. Vous pouvez l'ouvrir depuis Varonis, enfin, juste remonter les numéros enfin, ou les informations qui l'indiquent dans le HIT au sein de la console Varonis, ce qui vous permet d'avoir déjà un premier visuel, quel type de données dedans. Et pareil, sur la partie classification catégorie, vous pouvez trier par type de conformité. Si vous pouvez sélectionner GDPR, mais si vous voulez faire que vous concentrez que sur les cartes bancaires, vous pouvez alors sélectionner type de carte bancaire que vous voulez, et il va aller chercher, il va vous remonter que les infos là. Justement, tu parlais de cette double vue. Voilà, donc la double vue qu'on voit à droite, donc qui est quand on clique sur un document ou un dossier partagé, à droite, il va afficher les utilisateurs, les groupes de sécurité qui ont les droits. Donc, ce qui est toujours intéressant quand on installe Varonis, c'est de tester le compte Everyone, parce qu'à chaque fois, on y a le droit. Hein, on voit que le compte Everyone peut accéder à une partie des répertoires de l'entreprise. Enfin, c'est souvent, on a des... Ce n'est pas une surprise, hein. Souvent à chaque fois on est à droit. On est à droit, c'est ça. Donc là, si on reprend un peu notre investigation, là ça va être intéressant puisqu'on va retrouver tout le monde. Je te laisse appuyer. Par exemple, on vous rappelait tout à l'heure de cet utilisateur Chris Legal qui avait la vision au niveau du site. Et bien en fait, là, on voit tout de suite qu'on a Chris Legal qui apparaît juste en dessous de Procession Member et qu'on voit son droit à droite, sa source, c'est SharePoint Online. Si après, on va investiguer la partie qui a accès encore, et ben là, on voit que là, ça vient d'un droit d'un groupe Office 365, donc la source, ça serait Azure AD. Très bien. Et puis, si là, on continue, on voit qu'il y a cette fois-ci la partie compensation 2 qui est des personnes en direct. Donc ça, c'est les fameux owners, la différence entre member et owner. Donc, on a bien deux groupes différents. Et ensuite, si on continue, on va retrouver Emma avec son lien de partage.
Donc, si on récapitule par rapport à tout à l'heure, on a dû faire de l'Office 365 Groups ou du Teams. On a dû aller dans SharePoint Online pour voir le lien de partage. Et en plus, dans SharePoint Online, on a découvert que quelqu'un avait partagé le site. Là, en fait, en double-cliquant sur ce fichier, cette double vue a permis de lister d'un seul coup toutes les personnes qui pouvaient y avoir accès et avec leur niveau de droit. Je te laisse continuer si tu veux. On a une vue sur un fichier Excel. Hein. Et donc, à droite, tous les groupes de sécurité, les utilisateurs qui ont les droits sur ce fichier. Donc ça, il s'agit de classification qu'on appelle DCE chez Varonis. Donc, quand on l'installe, hein, bien sûr, il y a des patterns qui sont déjà intégrés. Donc, Varonis a créé plusieurs patterns. Donc, par exemple, pour la France, on a le GDPR France. Mais il n'y a pas que ça, hein. il y a d'autres patterns PCI, etc. etc. Ce qui est important, c'est que voilà, on les active, on peut en créer d'autres, donc ça c'est vraiment important. On peut créer nos propres patterns et ensuite faire nos recherches sur ce qu'on est. Ce qui est important là sur cette partie-là, c'est de bien comprendre qu'en fait la solution est fournie avec des patterns qui vont dire vont répondre aux besoins réglementaires aujourd'hui, type GDPR, PCI-DSS, HIPAA pour les données de santé. Et en fait, c'est vraiment du one click. On va aller sur la plateforme, on va dire moi maintenant je veux chercher en plus de ce que je cherchais avant les données PCI-DSS ou alors là on voit des exemples avec American Express ou Taiwan ID. Ça c'est voilà, on va en fait en un clic dire maintenant je veux chercher encore plus de données. Maintenant je veux encore chercher plus de données, etc. Et comme tu parlais tout à l'heure, après on va rentrer dans la création de ses propres patterns. Juste une petite information sur le moteur d'indexation de Varonis, c'est que lui, il, via son moteur ZooKeeper, il indexe tout de suite à la volée, donc sans impacter les performances de production. Mais surtout, il ne recopie pas, il ne réhydrate pas ça dans une autre base de données. Donc, c'est vraiment important parce que vous n'avez pas besoin de réindexer ces données collectées dans une autre base. Donc, vous n'avez pas besoin de base de données supplémentaires pour faire cette opération. Ouais, ça, c'est vraiment super important. C'est vrai que je ne le précise pas. Mais ce n'est pas parce qu'on va détecter des numéros de carte bancaire qu'on va stocker dans notre base de données vos numéros de carte bancaire. En fait, nous, ce qu'on va stocker, c'est que dans ce fichier, on a trouvé 5 numéros de carte bancaire. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure d'employé, on a trouvé qu'il y avait 13 données personnelles dans ce fichier Excel. En aucun cas, on a copié ces 13 données et on les a mises dans notre base. Donc, en fait, on ne va pas en plus multiplier le nombre d'emplacements où vous avez cette donnée sensible. On va juste en fait, vraiment être comme un marqueur dans notre base. Donc, on ne touche pas au fichier. On va vraiment juste le lire et notre moteur va dire « Ah, ok, dans ce fichier, il y a des données. Je le marque en base et c'est tout. » Donc là, pour le coup, c'est quand on veut créer son propre pattern. Donc, on crée notre propre pattern et après, donc, on peut faire des règles de matching pour dire, voilà, on remonte l'information que en fonction du key score qu'on aura établi. Et après, on peut filtrer notre recherche par rapport vraiment qu'à une seule règle pour pas que tout remonte au sein de notre console. C'est ça. Là, le but, c'est vraiment de dire, même quand vous allez créer votre propre règle, on peut vraiment éliminer le faux positif. Avec le proximity matching, par exemple, si demain vous cherchez un projet top secret chez vous qui s'appelle Soleil, il est évident que si je me mets à parser toutes vos données, le mot Soleil va apparaître et ça n'a rien à voir avec un projet chez vous. En fait, on peut très bien dire, à côté de Soleil, tu trouveras à 10 mots le mot projet. Donc, en fait, c'est un peu un standard ou alors les templates de brevets, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment tout le temps la même forme. Et donc, en fait, on va pouvoir mettre des proximity matching en disant, selon ce que tu trouves, ça va être un bon document ou alors au contraire, c'est juste le mot qui a été utilisé dans une phrase. Autre chose qu'on voit beaucoup, c'est les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est une liste de mots, potentiellement des listes de mots interdits hein, chez vous. Demain, vous pouvez dire, tous les mots. Par exemple, j'ai un bon exemple, je travaillais dans la partie call center et en fait, toutes les chats sont sauvegardés et on n'a pas le droit de mettre des mots d'insulte puisque du coup, c'est des notes personnelles, on n'a pas le droit de mettre des commentaires sur les personnes qu'on a eues au téléphone. Donc en fait, on a créé des dictionnaires et on dit, tu vas parser l'intégralité de ces commentaires
et tu vas aller chercher des mots n'étant pas adéquats dans une entreprise. Et en fait, si ça sonne, bah, du coup, ça veut dire qu'en gros, la personne a mis ces mots-là. Et enfin, les negative keywords, bah, c'est la même chose que le proximity matching, mais dans l'autre sens. C'est si jamais tu as trouvé soleil et qu'à côté, tu as trouvé lune, en aucun cas, c'est un document sensible. C'est juste un faux positif. Et voilà, ça va supprimer cette partie-là. Donc là, c'est une référence client. Aujourd'hui, on classifie chez lui plus de 20 pétas de données, Office 365 inclus. Donc du coup, on arrive vraiment à scale et comme tu le disais, on est vraiment sur des moteurs de classification très performants. Donc ça, c'est la nouvelle interface de Varonis qui est complémentaire à Data Advantage, ce qu'on voyait tout à l'heure avec la vue bidirectionnelle. Donc elle est vraiment, vraiment performante, notamment pour faire du forensic en sécurité. Donc moi, j'ai eu l'occasion de la tester pour plusieurs clients. Et je peux même dire aussi que la team IR de Varonis, donc Incident Response, donc c'est une, j'en parle, hein, je me permets. Allez, vas-y. C'est une équipe d'une trentaine de consultants, vraiment c'est profil cyber, pour tous les clients Varonis, qui peuvent déclencher s'ils ont une suspicion d'attaque, gratuitement. Donc voilà, et la team task force va venir les aider à voir si c'est pas un faux positif et vraiment à faire cette phase de forensic. Donc et ils passent vraiment par cette nouvelle interface parce qu'elle est vraiment appréciable pour voir les écarts de comportement, pour voir les événements, pour auditer. On est vraiment dans une interface vraiment web qui répond instantanément. Et là, en fait, ce que je voulais attirer votre attention, c'est dans le cas de Teams. Donc, quand on va rajouter quelqu'un dans un Teams ou qu'on va tout simplement faire vivre le Teams, en fait, ça crée un événement côté Azure Active Directory et on le trace. Donc, demain, si jamais, par exemple, une personne a eu accès à un Teams, on ne sait pas qui l'a mis, et bien, tout simplement, on a bien dans les logs que c'est, dans notre cas, Amélia qui a intégré le groupe. Et donc, si on irait un peu plus à droite, on verrait qui l'a fait. Donc, du coup, si on reprend un peu notre exemple de tout à l'heure, donc c'est Amélia qui a été dans le groupe qui s'est fait ajouter. Donc, ça, c'est un événement de type Azure AD. Qui a touché au fichier Excel, c'est un événement de type SharePoint. Qui a partagé le document, c'est un événement de type SharePoint. Et enfin, quand on a discuté avec une personne en one-one, c'est un événement OneDrive. Donc là, on est vraiment en train de montrer, encore une fois, hein, on a besoin des logs de partout, puisqu'en fait, Teams s'en met un peu partout. Ça, c'est une partie que tu apprécies beaucoup, je le sais, donc je vais te la laisser. Donc cette partie-là, c'est vraiment la détection de menaces qui est de la nouvelle... nouvelle interface là, de Varonis en mode web. Et donc, on peut voir vraiment les écarts de comportement que le moteur Varonis vous aura remonté, bah, notamment par rapport aux activités qui ont été faites sur SharePoint Online et OneDrive. Donc là, par exemple, c'est un nombre anormal de fichiers ont été partagés publiquement. Donc là, ils vous remontent l'alerte comme critique. Et donc, de l'exfiltration. Donc, c'est un bon indicateur parce que le Varonis va vous dire qu'il y a eu l'exfiltration. Alors, tout à l'heure, je parlais de complémentarité. Hein, c'est vraiment, si vous voulez avoir la chaîne complète, le Varonis s'intègre très bien avec un DLP pour avoir le bout de la chaîne, savoir où a été faite l'exfiltration exactement. Donc, souvent, ce qui manque au bout de la chaîne, c'est les postes de travail, si le document a été copié sur un disque dur externe. Donc, c'est vraiment complémentaire. J'en profite au passage pour vous dire que les solutions sont vraiment complémentaires. Donc, voilà, de révélation de comportement, de l'alerte en temps réel, les écarts, c'est quand même vraiment puissant. Nous, je prends le cas concret d'un client où on a eu... une remontée d'alerte en pleine nuit parce que le compte admin du domaine était utilisé sur des heures non ouvrées, donc en pleine nuit, donc premier niveau de comportement anormal. Hein. En plus, c'était le compte admin du domaine qui accédait à des données sensibles et au travers de sessions de rebond RDP. Donc, tous ces faits-là ont fait que le Varonis a matché. Lors d'un POC Varonis, cette alerte elle est remontée au bout de 15 jours. Alors que l'utilisateur qui faisait ces actions-là était un ancien employé curieux qui accédait au SI
environ une fois par trimestre. Ils s'en étaient jamais rendu compte, même avec le moment, comme je disais, le Varonis du système d'information qui a remonté l'alerte. Écoutez, on va vous envoyer le mail du coup avec les logos et comme ça on traite directement la commande pour pouvoir le développer. Un ancien collaborateur qui connaissait le compte admin du domaine parce qu'il n'avait pas été changé depuis 6 ans, que son compte VPN n'avait pas été désactivé et donc il faisait le curieux une fois par trimestre environ. Et accéder à des nécessités. Vraiment, sur ce genre de comportement, le Varonis, il est très, très pertinent et va augmenter votre niveau de sécurité. Ah, c'est super intéressant ce cas-là, parce qu'il y a vraiment deux types d'alertes. Chez Varonis, en vrai, il y en a trois. Mais il y a vraiment les alertes qu'on va qualifier de standards. Les alertes standards, elles n'ont aucune intelligence. C'est vraiment de si il se passe ça, alors fais ça. Donc, si par exemple, quelqu'un a été ajouté au groupe domaine admin, pour reprendre un cas de l'AD, pour l'escalade de privilèges, du coup, on va vraiment rentrer dans le cadre. Il y a un événement où ça touche le groupe domaine admin, donc on lève une alerte. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'utilisateur. Peut-être que d'habitude, il partageait des données vers l'extérieur, mais là, dans ce cas concret, il en a partagé 44. Et donc, ça peut être une faute de sa part, ça peut être une réalité, il avait besoin de partager ses 44 documents. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'alerte dit « j'ai un doute, c'est pas normal ». Et voilà, donc c'est vraiment ces deux niveaux qui permettent aujourd'hui d'avoir une grosse sécurité. Alors, on est de retour sur la work area, donc la vue bidirectionnelle, et ça c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si on sélectionne un site ou un répertoire, un dossier, eh bien, à droite, il va vous donner les groupes de sécurité et les utilisateurs qui ont les droits. Donc, première chose, il peut gérer toutes les permissions depuis la console Varonis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans la partie à droite, vous voyez des croix rouges. Ça veut dire que, par exemple, Adam là, n'a jamais accédé à cette entité-là. Est-ce que, s'il n'a jamais accédé, est-ce que ça vaut le coup de lui donner les droits? Puisque vous savez qu'en sécurité, c'est juste besoin d'en connaître qu'on privilégie. Pareil pour Léona, on voit qu'elle a en plus le logo orange pause, ce qui veut dire qu'elle a déjà accédé, mais plutôt rarement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de lui laisser les droits? Voilà pour cette partie-là. Je pense qu'on a fini et on est dans les temps. Alors, du coup, en conclusion, peut-être rapidement, qu'est-ce que permet Varonis très rapidement? En fait, il permet d'une seule console, on voit tout ce qui se passe, que ce soit en on-prem ou dans Office 365. Donc, on est parfaitement compatible avec des environnements hybrides. Du coup, on peut aussi répondre à la question qui peut accéder à de la donnée critique. Là, on peut, par exemple, imaginer une fuite de données. On peut, ou plutôt, imaginer des contrôles qu'on peut avoir en ce moment avec des audits GDPR ou autres. Quelqu'un trouve ce fichier dans Teams, panique, et dit « je veux savoir tout de suite qui a accès à ce fichier ». Là, vous allez dans la console Varonis, vous double-cliquez, ça s'affiche à droite. On ne peut pas faire mieux. Bien sûr, la console, on reconnaît bien les groupes dans les groupes dans les groupes. L'imbrication de groupe, on connaît et on sait que c'est une bonne manière de masquer la réalité. Pour le coup, à chaque fois, vous pourrez creuser. On sait bien sûr classifier de la donnée sensible et at scale. Encore une fois, on a l'exemple de ce client avec plus de 20 pétas de données. Sur la partie threat detection, on vous a donné quand même quelques exemples. Nous, aujourd'hui, on a plus de 160 modèles par défaut dans la console. Donc, ça veut dire que si demain, vous installez Varonis, vous avez 160 modèles de protection de menaces qui vont d'un pass de ticket vraiment pur Active Directory à ce qu'on a vu tout à l'heure, un comportement anormal d'un utilisateur. Du coup, sur la partie remédiation, on a la partie commit engine, donc comme tu disais, qui permet depuis la console Varonis de pouvoir dire « Ok, j'applique les recommandations Varonis ». Donc, je supprime des personnes qui ont trop d'accès, qui n'ont pas utilisé leurs droits. Donc, potentiellement, je ne fais pas d'incident. C'est juste que je leur retire leurs droits alors qu'ils les avaient déjà. Ils ne les utilisaient pas. Et enfin, du coup, sur la partie audit, on a clairement une seule vision de la partie Office 365 jusqu'à la partie on-prem. Comme on a vu tout à l'heure, on peut voir ce qui se passe côté Azure AD. Donc, on est vraiment dans des cas de suivi d'activité. C'est facile. Donc, du coup, la partie Teams et Office 365, c'est super pour les utilisateurs, pour collaborer et puis pour travailler efficacement, surtout en contexte un peu de télétravail. Il y a une partie complexité qui est un vrai challenge, mais aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait quand même le voir sur la partie Varonis.
Et ce qui est important, c'est que nous, on ne va pas répliquer des fonctionnalités Microsoft. On est vraiment en train de travailler avec eux pour répondre avec eux sur des enjeux, sur des forts enjeux de sécurité. Et aujourd'hui, on est un peu la seule solution à offrir cette vue hybride, donc sur tous les scénarios de migration vers le cloud qu'on peut avoir. On fait ce travail un peu de nettoyage. Ça m'est arrivé combien de fois d'avoir des clients qui, du coup, migraient dans Office 365 et disaient « je ne vais pas copier bêtement les droits que j'avais sur mon FileShare parce que je sais qu'ils étaient trop permissifs et je veux justement comprendre et pouvoir aller dans Office 365 de façon plus sereine. » Nous, merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à participer au questionnaire sur cette présentation et à nous dire ce que vous en pensez. Merci à tous.